Salut à tous, c'est Gratorfou. On va se retenter un test chance sur notre casino. Donc, pot de départ en pot commun 4000. On va s'attaquer à la machine à sous Mister Illuso. Ça faisait un petit moment. Même un sacré bouton que j'avais pu tester. Alors, on commence avec des mises à 20. Plusieurs bonus aléatoires à gagner sur ce jeu de la part du magicien et bon bien sûr encore faut-il qu'il file. On va tenter les mises à 40 un peu plus tard mais pour le moment les mises à 20 ça ira très bien. Alors premier bonus, qu'est-ce qu'il va nous filer? Transformation. Il va nous filer du low ou du high symbole. Ok, low symbole. 155. On n'est pas au top. Alors, deuxième bonus, spawn respin, qu'est-ce qu'il va nous filer? Alors, s'il nous file les chapeaux, on est bon, mais ça m'étonnerait. Ouais, c'est vrai que c'est le respin. Alors, 35 pas énorme. Pas terrible niveau bonus. Allez, mise à 40, on va attaquer. Joker split. Bon, bah, espérons que le jeu y paye parce qu'avec de telles mises, sinon on va se faire défoncer le solde. Alors, on va attendre des prochains bonus. Il y a le super joker respin, c'est pas trop mal. Les free games c'est pas mal non plus, mais encore faut-il bien sûr les gagner. Alors on va arriver à moins 700 balles depuis le début de la partie. Troisième. Eh ben il nous l'a filé, sans déconner. Alors 3255. Alors pick a magic ball, on va prendre celle-là. 8. 8 avec le x3, c'est pas mal. On avait 6 avec le x7. Alors qu'est-ce qui va nous raquer lors de pendant ces free games? Deuxième
spin que dalle. Est-ce qu'elle nous file un petit bonus par hasard? Alors 120 balles, bon, on va se taper des free games de misère, même pas un x10 par rapport à la mise. Alors, c'est vrai qu'on a les jokers statiques. Enfin, on avait. Bon, quand même 840. Terrible. On monte à 900 balles, dernière free game. Plus 120. Bon bah du coup on se tape un petit bénéf de 175 balles, plus le dernier win. Alors 1140, 395. Donc 395 de bénéf, on va poursuivre la partie pour voir. On va essayer de gratter un peu plus de win, on va peut-être se faire gratter le bénéf. À renvoyer les spins à 40 balles. Allez, c'est parti. Alors, un petit bonus. Voilà, bon, rip le bénéf, il s'est fait rebouffer, donc la spécialité des machines à sous. Perdant en bouffe. Alors petit bonus, spawner spin. Merde, 110 balles, pas énorme. Allez, moins 500, on repart dans la loose. Bonus que j'aimerais bien gagner, c'est le super joker respin. 3 respin, 3 jokers rouleau 1, rouleau 2 puis rouleau 3. Bon bien sûr ce bonus là il sort pas très souvent quand même. Allez, 30 balles. Allez, moins 1000 balles, c'est peut-être que le début. Alors, un petit bonus. Et bien, qu'est-ce qu'on peut bouffer comme spin perdant, c'est impressionnant.
moins 1005, pas de bonus, pas de big win. Par contre, les spins perdants, là, on en bouffe à foison. Alors, quand est-ce que le magicien nous refait une petite apparition? On arrive à moins 2000, on aura cramé la moitié. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait le magicien? Depuis tout à l'heure, il se cache, il se montre plus. C'est clair que j'ai connu ce jeu un peu plus généreux, parce que là, sur cette partie, on n'est pas au top. Que des cacahuètes. Alors, il va bien quand même nous raquer encore du bonus. Et spin respin, c'est pas top. Enfin, tout dépend ce qui file sur les autres rouleaux. Un petit cœur, avec que dalle, pas grand chose. 260 balles. Pas eu le super joker respin bonus malheureusement. C'est clair que celui-là de bonus il pourrait nous filer un boost à la balance, mais il veut pas sortir. Allez, le troisième, le rat. Alors qu'est-ce qu'il nous file? Spawn respin encore avec le coffre. Ça c'est du high symbol, mais encore faut-il qu'il sorte rouleau 3, rouleau 4, rouleau 5, ça va pas être gagné au pied du wild. Alors le rat, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Un joker quand même. 280 balles. Et ouais, c'est pas tous les jours Noël aux machines à sous. Alors, on va quand même pas terminer à zéro sur une seule partie, c'est un peu abusé. Enfin, moi ça montre qu'on peut pas tout le temps gagner avec ce genre de jeu. C'est clair qu'on gagne que de temps en temps. Balles de restant, on est mal barré. Oh, mais j'aurais dû changer de jeu quand je me bats, enfin en fin de free game, quand j'avais fait un bénéfice de 300 et quelques balles. Et à vouloir se taper plus de bénéfices, on s'est fait tout cramer. Toujours rien à niveau win. Bon bah s'il sort pas le bonus free spin ou le super joker respin, on est mal barré. Ouais, bah de toute façon 855, on est mal barré tout court. Thank you.
Pandre Spin avec le petit lapin. Alors, Super Lapino, qu'est-ce qu'il va nous filer comme win? Est-ce qu'il pourrait nous pondre une Super Five of a Kind? Eh ben non, même pas un wild, rien. Que dalle de que dalle. Magicien, il m'a pondu que les bonus à la noix. Il m'a pas pondu les bonus intéressants. Voilà, 485, sauf miracle, c'est direction 0. Là, c'est quasiment mission impossible de saper une remontée. Les derniers spins à 40 balles, sauf miracle, ben on se fait torcher. Et voilà, rien du tout, rien du tout. Alors 15 euros de restant, vous vous êtes fait défoncer, le casino vous remercie, d'accord, on connaît. 10 balles, ça win que dalle. Veuillez rajouter des crédits pour les reperdre. Alors 5 euros. Et un super euro, ok. Et voilà, terminus, tout le monde descend. Le casino vous remercie, bel patron, vous dit un grand merci, voilà, voilà. Allez, gonce, la retente sur la machine à sur la carte. Donc, pot départ en pot commun 4000, espérant ne pas se faire torcher comme sur la précédente partie. Allez, on attaque avec des mises à 30. Bon, celle-là de machine à sous, ça fait un petit moment que je l'ai pu tester. Alors quand elle veut, elle paye bien, mais comme toutes les autres machines à sous, c'est uniquement quand elle veut. Alors bonus d'entrée, c'est pas mal. Alors un petit bonus wheel. Voilà, si je me rappelle bien, avec des lots instantanés à gagner. Des montants à gagner, hop, faut pas que les flèchettes tombent sur les cases où il n'y a rien, sinon les flèchettes sont virées, puis quand il y en a plus, c'est la fin du bonus. Et voilà, on se fait escroquer une flèche, on gagne 90. Alors, est-ce qu'on va se faire escroquer la deuxième? Oh, le rat, sans déconner, le rat. Et voilà, win 96, super bonus. On va pas aller loin avec ça. Allez, 180 balles. Attaquer d'entrée, des mises à 60, allez go, on va pas faire semblant. Bon, faut espérer que le jeu ira, sinon on va se faire défoncer bien comme il faut. Allez, moins 700. J'avais testé ce jeu, il avait ramené des super gros wins. Bon, c'était peut-être la chance du débutant. Un petit bonus à 60 balles.
premier bonus n'était pas top, donc espérons pouvoir faire un peu mieux avec celui-là. Alors les montants sont un peu mieux. Ok, on s'est pas fait escroquer une flèche. Eh ben, sans déconner, on garde les deux. Là, par contre, on va se faire escroquer les deux flèches, une pierre deux coups. Allez, ben, juste une, il nous en reste une. On a un lot à 480 ici, un à 240 par là. Et là, je crois bien que ça sent la fin du bonus. Allez, vas-y, vas-y. Eh ben non, terminus, 720. On voit un peu plus généreux que le précédent. Et on est remonté à 3005. Le petit leurre. Ah, 600 balles. On remonte à 3009. Les séries de spin perdant, ça me manquait. Alors, spin cacahuète, qu'est-ce que ça va filer? Pas grand-chose, 30 balles. Que ça paye du lourd. Ah, 312 quand même. Alors 3008, on n'a pas trop paumé pour le moment. Alors, super respin. Respin que dalle. 12 euros, waouh, pas mal. Je sens que tout à l'heure on peut se taper une descente infernale si le jeu paye que dalle. Ça y est, moins 700. Le petit leurre. Les séries de spin perdant, ça me manquait. Ah ben là, il nous a fait une belle série de spin perdant. Là, ça. Ça a bien défoncé la balance. Le petit leurre, 162. Par les spins perdants, 24 euros. Pff.
Alors, petit ou pas petit leurre. Voilà, on a eu la réponse. De moins 2000 balles, joli score, le casino vous remercie. Pas moyen qu'il nous prenne un gros win. 12 euros, 12 euros. Ah bah bonus, il était temps. Ah, c'est pas garanti qu'on se tape une remontée avec ça quand même. Qu'est-ce qui nous file comme montant? Ben, les mêmes que précédemment. 480 pour le plus gros. Alors, est-ce qu'on va se faire scroquer une flèche d'entrée? Et voilà, une à la ramasse. On a quand même gagné le plus gros lot, 480. Alors, est-ce que celle-là elle saute? La rada, celle-là a sauté. Elle aurait pu s'arrêter là sur le 240. Bonus wheel, 480 balles. Ça, j'imagine que ça va payer que dalle. 90 balles. Remonter, remonter, remonter à 2152. Alors on a un petit respin. Est-ce que ça va raquer? Est-ce que ça va raquer? On n'a pas une gaufre à l'horizon, une seule ici, donc 210. Ouais, bon, je pense que je vais mettre un coup de frein à 2000 balles, on va limiter la casse. Je sens pas trop, je sens que si je continue le jeu, il va payer que dalle, on va se faire un terminus sur 0. Alors 108. Bon, de toute façon, ces jeux, c'est pas évident. Des fois, ça paye, ça fait que payer. Des fois, ça paye que dalle de chez que dalle. Alors un petit respin, cacahuète. Alors 90 balles. Petit leurre ici. Alors, 1993, ça va pas être gagné. Ah ouais, c'est vrai que celui-là, du Nismax, c'est 20, c'est pas plus mal. Alors, est-ce qu'il va nous raquer un gros truc ou est-ce qu'il va nous défoncer un petit peu plus? Maxi 20 balles, c'est pas pour ça que le jeu il va rien filer. Alors 300, pas mal. On est passé au-dessus de la barre des 2000. Bon, de toute façon, généralement, les jeux comme ça où les mises max sont à 20 balles ou à peine plus.
sont des jeux qui paieraient trop s'il y avait des mismax à 100 balles, donc... Les fournisseurs, ils ont mis les mismax à 20. Alors, 2153, petit bénef encore. Que le petit bénéf petit à petit se fait rogner. Hein, 300 balles, 1 × 15 par rapport à la mise. Pour des mises à 20, on fait une jolie petite remontée. On est remonté à 2004. 2004, 2008, 3002, ce serait pas mal si on pouvait remonter de la sorte. On est passé à 2002. Et ben ça y est, on va repasser en dessous de la barre des 2000. Voilà, retour à la case départ, 1993. Alors, est-ce qu'on va réussir à se retaper du BNF? Alors un petit bonus peut-être, les trois bouquins par hasard. Allez, série de spin perdant. Eh ben 1643, on a fait une jolie petite remontée au début, mais par la suite ça se complique un peu. Ça va se solder encore par un Casino is the Winner. Ouais, les belles séries de spin perdants, ça me manquait. Pendant le début de partie, le jeu il a payé par-ci par-là, mais là par la suite, avantage pour le casino. Alors, serait-il possible par hasard de gagner un big win ou les trois bouquins? Alors, 1433. Ah.
J'ai l'option double option gamble, mais je suis pas très chanceux au gamble. Je pense que j'étais me fixer une limite vers les 800 balles ou vers les 1000 balles. Si on continue à se faire défoncer comme ça. Alors 50. Win 20 balles. Est-ce qu'il va nous prendre des 3 bouquins un jour? Win 10 balles, on est mal barré. Win 50 balles. Alors 10,83€, on va pas aller loin. Comme très souvent, on avait fait un petit bénéfice en début de partie, pour faire la suite, c'est l'effet inverse, le double effet qui se coule. Alors 80 balles. Les 3 bouquins seraient peut-être pas mal, mais bon, ça je pense que faut quand même se lever tôt avant de les gagner. Bon, bah, arrive à 800, on va tirer le frein à main. Dernier spin, on va voir si ça perd, on se barre. 20 balles. Et terminus où le monde descend. Je préfère quand même me barrer. Et ouais, Tomb of the King. Ouais, des mises à 20, ça ira. Alors sur ce jeu, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Mise joker en string. Les bonus respin si on a les symboles identiques, rouleau 1, rouleau 5. En string, hop, premier win, 40 balles. Bon, j'ai quand même l'impression que c'est la dernière partie avant le 0, mais bon, ne sait-on jamais. Alors, on va essayer ça. Alors, bonus, ou petit leurre, le petit rat. Allez, file-moi les mêmes symboles. Sans déconner. Eh ben ouais, dommage, dommage. Alors quand même 700, pas mal. Remonte à 1003. Et on a raté le bonus, un seul symbole, bien dommage. Là, ça aurait été l'occasion de se taper une jolie remontée. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh ben non. C'est pas encore l'heure du bonus respin. Bonne question, pendant combien de temps on va garder le petit bénéf avant qu'il se fasse rebouffer? La spécialité des machines à sous.
Miss Joker en string, elle est pas très présente également. Là on s'est pris une belle série de spins perdant dans la gueule, de spin qui est payé que dalle. Allez, 190. Alors on va tenter. Alors mise à 80. Ah ouais, 80 ça fait trop, donc on va rester sur une mise à 40. S'il y avait des mises à 60 balles à la rigueur je me serais risqué, mais les mises à 80 vu ce qu'il y a dans la balance. Un peu suicidaire. Bon, bah, toujours en bénéfice pour le moment. J'avais commencé avec 803 sur cette partie. Ben voilà, on est en BNF. Alors le bonus, ou le petit leurre, le petit rat. Ouais, bien dommage. J'espère quand on voit un tas de symboles identiques passant, on se dit tiens, il va peut-être nous lâcher le bonus, mais au final, c'est pas garanti. Bon, les Zoukou, on va essayer ça, mise à 80, ça passe ou ça casse. Puisqu'il reste, si le joy paye que dalle, on va vite se retrouver à zéro. Un double miss string, ce qui nous rapporte 280. Bon, là, sur une mise à 80 balles, le seul truc qui pourrait éventuellement vraiment nous faire remonter serait le bonus respin. Qui est relativement rare à gagner. Et on va trop vite se faire défoncer avec des mises à 80. Bonus respin, il serait temps qu'il nous le lâche le rat. Il nous fait un leurre. Parfait, on est à 430. Ouf, soulagement, enfin espérons que ça rack. Généralement ça rack, hein, généralement. Alors, il faudrait qu'on ait la mise en string, ça repart sur 3 respin. En string, vas-y. Eh ben non, elle est pas là. Dernier spin. Eh ben non, elle s'est pas montrée la radas. 555 de gagner, remonté à 985. Et voilà, on n'a pas gagné de respin supplémentaire malheureusement. Pas mal. Ah, remonté à 1190. Bon,
Mais les boules pour le bonus, on a pas réussi à gratter de respin, ça aurait pu raquer un peu plus. Alors, le petit bonus, non, oui, non, non. Alors les petits singes, non, oui, non. Eh ben non, pas de bonus. Bon, jusqu'à présent, ça sort pas trop mal, mais on est pas au top non plus. Bonus, ne sait-on jamais. Fixer limite à 700 balles, puis on va rester là. Rien. Allez, dernier spin à 20 balles. Si ça perd, on se barre. On tire le frein à main à 700. Et ce fut. Alors, 25, 50. Des mises à 25, ça ira. Allez, go. Après la chance au casino, forcément, il y a le retour de la malchance. Ça, c'est généralement inévitable. Alors, est-ce qu'il va nous pendre par hasard le bonus Free Games? Début de partie, il semblerait qu'on soit quand même mal barré.
petit à petit on se rapproche du zéro, donc on va y avoir un retournement de situation. Alors, 300 balles de restant, on avait commencé à 700 balles. 400 balles de bouffée par le jeu, il en reste 300 à bouffer, puis on a 0. Bon, pas de bonus, pas de bégune sur le jeu de base. Pirate, 37 balles. Alors, les respins, il nous faut les 5, il nous les faut tous. Est-ce qu'on va se faire escroquer? Respin numéro 2 sur 3. Et ben voilà, il nous en manque un. Il nous en manque un pour gagner des prix game. Est-ce qu'on va se faire escroquer ici? Eh ben non, c'est pas fait escroquer, sans blague, sans blague, sans blague. Bon, free game à 12,50, c'est pas des mises très élevées, mais bon. Alors 13 avec le x6, 15 avec le x5. On va prendre celle-là. Alors jusqu'à quel niveau on va monter? Et voilà, hop, 12 free game avec le x4, on n'ira pas plus haut. Alors, si ça nous racrée par hasard un big win, c'est peu probable. Alors, combien? 12, 50 x 4, 50 balles, 56 x 4, hop, pas énorme. 54. Qui pourrait nous raquer un gros big win de l'espace, mais avec des mises à 12,50, c'est pas gagné. Free game 6 sur 12, on a 127,50. Je crois qu'on va pas aller loin sur ces free games, 10 sur 12. Dernière. Et ben voilà, 313,50 de gagné. Remonte à 500 balles. Allez, mise à 50, on va voir si nous sort un truc. Ne sait-on jamais. Oh! Est-ce qu'on va se faire croquer ou est-ce qu'il va nous sortir les trois autres? Alors, est-ce croquer ou pas? Allez, il nous en manque deux. Il nous en manque deux. Les prix gamma 50 balles seraient pas de refus. Bordel à chiotte. Parfait, on s'est pas fait escroquer. Parce que des fois, ils nous balancent pas les 5 symboles, puis c'est du que dalle. Alors, on va reprendre les mêmes. Oh le rat! Oh le rat de chez rat, de chez rat, de chez rat. Alors là, ça m'a foutu les boules. Avec tous les bidons qu'il y a, il faut que je pécho celui où il y a le. Bah, où ça arrête tout. Mais au foin. Ouais bah apparemment ça devait, c'était je crois une fausse joie.
pas le coup d'escroquerie, sans déconner, sans déconner. On passe à côté de la remontée potentielle. Et voilà, 8 free games. 326 balles. Eh bien, pas mal le coup du tonneau, le premier tonneau, hop, terminus. Vous gagnez les plus petites free games. Alors, on va essayer. Pas sûr que ce soit une bonne idée, non, la mise à 100 c'est trop. Voilà, 50 que je voulais. Évident, on va vite arriver à zéro. Dommage. Et ben voilà, on n'aura pas été sauvé par les free games à 50 balles. Back 104. Et bien voilà, on arrive au terminus où le monde descend. Le casino vous remercie. Vous avez pas assez de sous-sous. Le casino vous les a pris. Donc, ben, si vous voulez en redéposer, ben, le casino vous les reprendra. Alors, 44. On n'a pas le message, le casino vous a piqué votre pognon, non? Ah, allez, 12,50. Ah ben il met plus le petit message subliminal, bah moi j'aimais bien. Ouais, trêve de plaisanterie, on s'est encore fait défoncer, bah on peut pas être tout le temps chanceux. Allez, 2,50. 1,95. Petit bonus à 45 centimes, ça aurait été pas mal. 1,50€. Alors, 45 centimes. Voilà, mise minimale 50. Donc là, ben, je vais en faire cadeau au casino. Ce sera déjà là pour le prochain dépôt. Mais là, quand même, retour à la réalité. On peut pas tout le temps gagner. On se fait souvent torcher. Allez, on se barre. On verra pour les prochaines. Merci, au revoir le Five Pirate. Le petit coup du baril sur le spin à 50 balles pour les free games. C'était pas mal du tout.